Transfo, c'est donc un festival du numérique avec des ateliers, des conférences qui sont proposées à la fois à des professionnels et du grand public. L'histoire de Transfo, d'abord, vient au départ de la labellisation French Tech, qui a été un point de départ extrêmement fort lorsque le gouvernement précédent a décidé tout simplement de labelliser des projets dans des territoires concernant le numérique. Il y a donc, comme je vous le dis, un festival vraiment pour les professionnels du numérique, les gens sinon qui ont envie de se reconvertir au numérique, qui ont envie de mettre, on va dire, les mains dedans et de se lancer. Et il y a une autre partie du festival qui est pour le grand public, donc des personnes qui ont envie de s'initier, par exemple au code informatique, qui ont envie de démystifier le numérique, essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les termes de l'intelligence artificielle, du big data, qui sont des sujets qui souvent éloignent les gens du numérique, et donc il faut permettre à ces gens-là de pouvoir monter dans le bateau. C'est là que, sous l'impulsion des acteurs économiques, avec Chambéry et avec Annecy, nous avons tout simplement créé French Tech in the Alps, qui est cette espèce de déclinaison du sillon alpin autour d'un projet du numérique, chacun dans ses spécialités, mais finalement agréger encore plus tout simplement les acteurs. Et puis derrière cela, il y a eu multiples initiatives qui sont nées. C'est le foisonnement, c'est toute cette innovation, cette effervescence de l'écosystème territorial grenoblois, et puis la naissance de Transfo. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de très particulier dans ce territoire grenoblois, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'innovation sans finalement la déclinaison sociétale et l'implication du citoyen dans la réflexion sur les sujets d'innovation. La troisième partie du festival, c'est tous les enjeux de société, tout ce que le numérique a changé dans nos vies, comme je vous le disais, quotidiennes, notamment sur des sujets d'avenir comme l'économie circulaire, le développement durable à l'ère du numérique. Donc ça, c'est des enjeux qui nous rassemblent, sur lesquels il faut débattre. Et donc Transfo, en fait, propose ces trois choix dans le cadre du festival.